Alors les poivrons, là, ils ont été pelés, hein. J'ai retiré la peau. Et puis on peut là aussi voir apparaître un peu en filigrane des choses assez merveilleuses dans ce que j'appelle la vision mythique du paradis perdu, mes visions mythiques de Christine et Laurie Granier, trois petits points d'ex-Atlantide, de langue Drozowice. Alors on a des choses vraiment réellement merveilleuses que je découvre avec vous. J'ai improvisé. Je me suis dit que compte tenu des vidéos qu'on avait fait avant, il y avait des probabilités qu'il y ait quelque chose qu'on pourrait découvrir sur cette peau et grâce à la lumière. Donc et on s'aperçoit que oui, effectivement, c'est vraiment admirable et qu'il faut trouver simplement l'axe pour les voir apparaître. Ces représentations mythiques, la mythique vision là en question. Alors Titine, tu comprends là, j'aimerais bien que tu viennes m'aider parce que j'aurais besoin là que tu tournes la lumière parce que je tiens la caméra et poivron et j'ai du mal à faire tout en même temps. Donc si tu pouvais dire à ton. Alors moi je mets le poivron, la viande de poivron. La chair ou la viande de poivron, jamais sur un carré de pain à riz. Mais ce carré de pain à riz, il peut être fait, là je vais changer le diaph, et il peut être fait aussi avec du pain de l'arbre à pain. Le pain peut être fait avec le pain de l'arbre à pain, qui est le pain de châtaigne. C'est de la farine de châtaigne et donc ça fait un pain très très bon. Alors je sais qu'il y a un pâtissier à Paris qui fait un peu de temps en temps un peu de pain, qui est aussi boulanger, il s'appelle Sébastien Desgardins et je propose à l'entreprise Harry's de négocier avec lui la recette qu'il a et parce que je suis persuadé que ça pourrait être en grand public, ça pourrait être un pain merveilleux. Alors là, on est en train de découvrir en même temps que je dis ça, et que j'ai cette chair ou viande de poivron admirable, que j'ai même pas encore mis de l'huile ni de l'ail dessus. Et on est en train de faire la découverte, c'est la première mondiale. C'est la première fois que ça a été fait. Enfin, c'est extraordinaire. Donc la vision, Christine et Laurie, avec 40 années de retard exactement, en fait 39 années de retard. Car c'était les images que je devais faire avec l'appareil de photo dont j'avais reçu l'ordre du ciel qu'il soit acheté. Il a été acheté d'ailleurs. Et puis j'avais ajouté les bagues Tamron macroscopiques pour pouvoir faire ces images que je devais faire avec Christine. Et malheureusement, il y a les anciens là-bas et soi-disant responsables n'ont pas compris qu'ils avaient à refuser de réitérer le sacrifice qui avait duré déjà 2 fois 5 années, c'est-à-dire au moins l'équivalent de 2 guerres mondiales. De séparation entre Christine et moi, et ce qui avait permis que je trouve
La raison pour laquelle rien ne fonctionnait et que je trouve aussi le remède consistait à simplement baisser le prix du baril de pétrole, puisque j'avais pu vérifier que l'ensemble des patrons, enfin la plus grande partie des patrons d'industrie étaient des gens extrêmement honnêtes qui appliquent les règlements commerciaux. La règle d'or de la quantité, de la rareté, et donc qui répercute les dépenses sur la quantité à produire, et donc divisé par la quantité, le nombre à produire de choses. Et donc j'avais pleine confiance dans mon remède, en baissant le prix du pétrole à 0,01 centime de dollar, eh bien, le baril, eh bien, on aurait très rapidement toutes les choses de première nécessité, même de superflu, gratuit dans le monde entier. Sauf évidemment les œuvres d'art, qui sont des originaux, en général dessinés à la main, signés par des auteurs. Mais là aussi, il s'agit d'une œuvre d'art, hein, et on la découvre, elle advient pour la première fois en filigrane, on la voit apparaître. J'ai même donné comment on peut les réaliser. Alors, elles seront... Si on les réalise mieux que ça, parce que là c'est la première fois, c'est pas mal, mais je pense qu'on va pouvoir faire mieux que ça. On est sur la voie. Eh bien, il faudra dire que ces images nouvelles, avec ces représentations extraordinaires, souvent, parfois, à certains moments extraordinaires, d'autant plus qu'on tourne avec mon idée prototype des écrans plats qui tournent sur eux-mêmes. On va pouvoir peut-être même voir des films un peu sexy, érotiques, enfin érotiques pour certains, c'est important d'en voir de temps en temps. Et ils pourront les faire tourner sur eux-mêmes. Et ça doit être joli, les lignes de hanches, comme dit bébé Brigitte. Qui tourne sur elle-même. J'ai fait d'ailleurs au Portugal, j'ai fait une vidéo sur des pavés qui représentent un peu des lignes de hanches, alors que c'est des ondes, des vagues. C'est très joli. Mais bon, ça n'a pas cette finesse-là. Hein. Là, on est vraiment dans des pavés, des futures rues. À pavé, si on essaye de faire aussi bien que ça, qui seront plutôt difficiles à réaliser parce que c'est pixel par pixel et on voit que c'est merveilleux, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment extraordinaire et c'est vraiment la chair et de la viande de poivron. Et alors, ça se produit une fois qu'on a retiré la peau, hein, donc là-dedans, enfin dans l'évier, dans l'évier. Alors là, en la mettant dans l'évier, on a vu que ça permet de faire des sink art, des sink, sink art, c'est un peu des éviers art. Et alors donc, il faudra que je fasse mieux que ça avec. Je vais fermer le diaphragme encore plus et je vais me rapprocher de la lumière. Peut-être qu'on va avoir quelque chose un bonus ou des surprises là qu'on va découvrir pour la première fois. Alors, il faut peut-être encore plus éclairer que ça. Non, il faut peut-être s'éloigner alors. Non, je m'éloigne trop, on voit plus rien. Non, c'était le bon diaph, c'était tout à l'heure, je crois. Hein, pourra peut-être. Enfin, j'espère qu'on va pouvoir faire mieux. Est-ce que mon idée d'éclairer
Ah bah voilà, peut-être que ça va marcher comme ça. En transparence, il y a peut-être quelque chose à voir, comme pour la peau de la mangue. Si je m'approche de la lumière, il y a quelque chose, oui, là déjà de cette façon qu'on va pouvoir aussi exploiter. Alors, je vous rappelle qu'il y a un copyright, hein, et que ce sont des voies de recherche là pour rétablir la vision d'Atlantique, et que compte tenu de ce qui s'est passé en 75-78, ceux qui voleront l'idée obtiendront la plus tragique des réincarnations, la plus malheureuse, la plus triste, la plus honteuse, pendant des milliards d'années. Et c'est ce qui est arrivé à chacun de ceux qui ont volé une seule des idées, sans penser à rétribuer l'auteur. Pendant 30 ans, ils ont volé, escroqué, fait des bénéfices sur le crime qu'ils ont organisé en assassinant les enfants de l'impératrice qui était attendue en Immaculée Conception avec moi, l'empereur en personne, devenu Bouddha. Alors évidemment, ils n'ont pas arrangé leur situation personnelle, chacun d'entre eux. À cause de ça, ils vont obtenir les plus tragiques, malheureuses, tristes, honteuses réincarnations, qu'ils soient chacun d'entre eux roi, prince, patron d'industrie, ou duc, ou patron d'église ou de religion. Ils ont commis le sacrilège paroxystique, qui à partir de 1977, alors qu'ils avaient la possibilité de refuser, comme je leur proposais, et de mettre le prix du pétrole à 0,01, ce qui permettait de faire le bonheur de l'ensemble des peuples sans exception, selon ma volonté, sur des points précis, financiers, et également des engagements en échange qui étaient possibles et qui étaient à mettre en œuvre comme j'en avais les idées. En synchro, déjà là-bas en 75-77, avec moi ici. En 2016-2017. Alors on voit donc là quand même apparaître des choses plus gaies, moins tragiques que ce qui s'est passé, et qui augurent en filigrane là, de voies de recherche. Il faudra peut-être faire seulement des photos la prochaine fois, et peut-être aussi avec des poivrons d'autres couleurs, hein, parce qu'il y a, y a, y a le vert, on peut faire ses recherches avec le vert ou avec le rouge. Bon, on verra, là, il n'y a pas grand-chose en vue, il faut peut-être que je change. Voilà. Ah, voilà, là, on voit mieux. En changeant le diaph, oui, en allant vers un autre diaph, et oui, on voit apparaître des choses qui se trouvent. Voilà, là, on voit vraiment. C'est pas, on a vu un petit moment. Bon, et ben c'est une vraie découverte en direct. Alors il y a des moments qui sont peut-être à couper dans un montage plus élaboré. Puis peut-être aussi ce que j'ai dit là qui peut-être va agacer certaines personnes. Mais non, il faut comprendre qu'on a été traumatisés, ma femme et moi, Christine, on a perdu. En plus, à chaque fraction de seconde depuis notre séparation, plusieurs milliards de milliards de milliards de dollars à chaque fraction de seconde depuis 1975, 77, parce que ces gens-là ont voulu, en plus, voler, dérober nos biens qui étaient en plus transmis du ciel.
par un double de moi qui était d'avance dans le ciel et qui pouvait ne plus y être, ne pas avoir à être rejoint comme je le proposais, en acceptant la solution que j'avais proposée avec Christine à ce moment-là, qui était aussi que je puisse avoir plusieurs épouses. Plusieurs épouses, puisque en plus on me prenait pour Dieu, ce que paraît-il je suis, mais bien malgré, bon alors croyez-moi, et puis compte tenu des sacrilèges dont j'ai été victime, et dont Christine a été victime, je vois pas en quoi on est Dieu, avec autant de problèmes d'argent qu'on a eu, et en ayant été continuellement dérobé, volé par que uniquement seulement des escrocs, des tricheurs, des copieurs, des faussaires, des menteurs, c'est innommable. Enfin, alors, mais heureusement là, on a une perspective qui est quand même très très belle. De retrouver la vision d'Atlantide sans même avoir besoin de ce variateur que ces gens-là ont caché ou planqué dans leur salle des machines entre escrocs et non, on la verra autrement, Atlantide, on la verra de cette manière, à moins qu'ils comprennent finalement qu'ils ont à rendre à César, c'est-à-dire à moi, le variateur, moi qui suis par ailleurs Bouddha, le très véritable Bouddha, qui est l'omniscience et la vérité sur chaque chose, très exactement et très universitairement, qui vaut mieux pas escroquer, parce que celui qui m'escroque d'un électron obtient mathématiquement la plus tragique des réincarnations un peu plus loin, donc c'est pas une bonne idée, c'est pas malin, comme dit une personne que j'ai bien appréciée pendant un certain temps, tant que j'étais amnésique de ma femme, canoniquement. Voilà, à la suite, à plus. Vive les pepperoni, hein, pepperoni art. Tiens, on dirait un téton de zin, là. C'est drôle. Ah non, c'est avec le pain derrière. Et pourquoi pas un téton pain? Voilà. Je tète mon pain. Et alors, il y a des choses merveilleuses. Comme sur la peau, en réalité, probablement. Et si on s'approche beaucoup bien, on peut voir ces merveilles apparaître. Voilà, par exemple, là. Et donc, en fait, ces merveilles, elles sont toutes petites, vraiment toutes petites, petites, petites. Donc, en fait, on a regardé, oh là là, mais voilà, oh, mais c'est bien. Et c'est en cherchant, vraiment, c'est en... Et oui, elles sont toutes petites. Oh, mais alors, oh, waouh. Eh bien, on a, oh, on peut dire que j'avais faim. Et que je me suis dit, je vais arrêter parce que je vais manger. Il va, bon, ceci dit, il continue à être chauffé par la lampe halogène. Donc c'est pas mal du tout. Donc effectivement, il y a vraiment des représentations, les représentations mythiques de la vision Christine et Laurie Granier qui se sont finalement retrouvés et qui ont vécu une très belle histoire qui a permis de restaurer la vision d'Atlantide, d'autant que finalement la bande en question a compris qu'elle valait mieux qu'elle renonce et elle a rendu le variateur et la salle des machines au légitime pharaon Bouddha qui n'en fera pas mauvais usage, puisque la leçon de tout cela, il en a tiré la meilleure leçon de manière à pouvoir, avec ses instruments, essayer de soigner des gens qui malheureusement
sont devenus artificiellement, on l'a dit ailleurs, stronzi, li marcia, secca, merdamente, che puzzano. Mais ils le sont devenus parce qu'ils n'ont pas pris le soin avant d'utiliser cette salle des machines de devenir Bouddha, c'est-à-dire omniscient comme moi, et surtout Alpha Omega, c'est-à-dire déjà d'avance au moins 30 ans à plus loin, par conséquent sachant où on va et où on doit aller, et amener l'encens. Donc moi je vais arrêter là et quand même et puis manger ce lait chaud dont on s'aperçoit qu'elle est quand même beaucoup plus intéressante à manger, beaucoup plus belle et bien et probablement bienfaisante pour la santé, effectivement, et offrant la possibilité de se soigner même. Que la viande d'animaux pacifiques et inoffensifs. Là, on a une viande végétale qui nous permet. Personne n'est complice là d'injustice envers un quelconque animal pacifique et inoffensif. Et puis c'est réellement délicieux avec de l'huile d'olive, et hop là, c'est tombé par terre. Bah, on jettera au frigidaire. Non, on jettera, pardon, à la poubelle. Alors voilà ce que ça a fait sur le pain, que ce poivron, c'est drôle. Alors, on tournera ça dans tous les sens pour voir s'il n'y a pas d'autres bonus. Il y en a peut-être un comme ça aussi avec le pain. Ah bah, pourquoi pas. Oui, not bad comme idée, hein. Allez, on va en faire un objectif, là, une fermeture d'objectif. Plouf, c'est drôle. Oh. Alors là, qu'est-ce que c'est drôle. Est-ce qu'on voit pas un peu Atlantide? Si je ferme le diaph, comme ça, on va voir. Hein, c'est vraiment la découverte en direct. Et si je m'approche, je ferme au maximum le diaph et je m'approche au maximum de la lumière. C'est ce que j'essaye de faire comprendre qu'il faut qu'on fasse en augmentant l'éclairage des... Ah ben là, ça va carrément cramer le pain. On va avoir... alors, si je le relève comme ça, ça peut être drôle. Alors, on va voir. Je dois ouvrir un peu le diaph. Mais... Et, oh.